Mardi 29 juin 2024. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui branche Magic 900.9. On a salué tout auditeur qui branche, alors tout internaute qui branche sur différentes plateformes, non? Que ce soit sur page Facebook, le Novelis, Ticket Magazine, Magic 9, ou bien qui a regardé tout téléspectateur qui a regardé nous sur Télévin. On content de rentrer la carrière pour nous porter le numéro panel Magic Sabo. On a salué Lunel Jean-Charles et Bernard-Auguste Maki. La réalisation, et au conforme à l'émission, déjà, on a commencé avec Telegram Actualité avant que nous recevions invité nous et matin, nous avons parlé du Premier ministre Gary Conille qui quittait Port-au-Prince hier vendredi 28 juin 2024 là, pour le rendre à Washington. Et puis New York, toujours hier vendredi, chef CSPN, Gary Conille, a été réalisé une rencontre stratégique avec l'état-major des forces armées d'Haïti. Et discussion a été tournée autour de synergies nécessaires avec PNH avec, et puis force mission multinationale d'appui à la sécurité. Yo. Et alors que le Conseil présidentiel transition a lui-même été convoqué jeudi 27 juin, directeur général PNH et, pour discuter de plein les gains pour combattre l'insécurité hein, et un changement yo, qui continue à faire dans l'administration publique. Là. Monsieur Lionel Constant Bourgoin, il est remplacé Alder Guillaume dans la tête par Port-au-Prince, alors que le Premier ministre Gary Conille était procédé hier vendredi 28 juin à l'installation du nouveau directeur de protection civile, Emmanuel Pierre. Comme invité un matin, nous avons permis tout le temps d'interview que Gerline Joseph Bridge, alors de Bridge Alliance, était et accordé à Magic 9 et sous prolongation TPS par l'administration Biden. Et nous avons également pour permettre d'entendre entretien ça. Nous avons réalisé au cours de semaine avec l'ancien président et fiscaliste Jocelyn Privert qui a analysé décret qui relatif avec nouveau code fiscal haïtien. Voilà différents points qui pourraient démarquer. Panel magique qui matin, amis auditeurs, internautes à téléspectateurs. Je nous ai annoncé en titre l'UNES, Premier ministre Gary Conille qui quittait le pays hier vendredi 28 juin 2024 là, pour l'Iranie à Washington et puis à New York. C'est ça, en communiqué primature lundi. Annoncé chef gouvernement et accompagné de ministre économie et financement et qui c'est également ministre de la planification de la coopération externe, Mme Marie Florissal, également accompagné de ministre des Affaires étrangères et des cultes et des Haïtiens vivant à l'étranger, Mme Dominique Dupuis, et de directeur cabinet, M. Nismi Maniga, au cours de ces jours-là, délégation qui présidée par le Premier ministre Gary Conille a gagné d'importantes rencontres de travail avec surtout des responsables d'institutions financières internationales. Il a effectué également une visite d'inspection à l'ambassade d'Haïti en Washington. C'est ça, notre langue ou bien communiqué en lit. Indiqué, qui, pendant qu'il soulignait absence Premier ministre intérim, alors absence Premier ministre, c'est ministre de Justice et Sécurité publique là, qui a assuré intérim en absence de Premier ministre Gary Conille. Et hier, Premier ministre Gary Conille, on a rappelé que c'est chef Conseil supérieur police nationale, CSPN, il a gagné une rencontre stratégique avec l'état-major des forces armées d'Haïti. Discussion était tournée autour de synergies nécessaires avec PNH et puis force mission multinationale d'appui à la sécurité. Hein. Partage d'informations avec planification, exercice conjoint pour renforcer la sécurité. Selon chef gouvernement. Alors, ce conseil présidentiel lui-même, dans jeudi 27 juin, il a été rencontré directeur général PNH et pour discuter de plans qui gagnent pour combattre l'insécurité. Hein. Et CPT1 a gagné une rencontre fructueuse avec le nouveau directeur général PNH, Ramon Ormil. Nous avons discuté sur le plan gagné de concert avec Maslan pour démanteler les gangs sur tout le territoire national dans un délai, dans un plus bon délai. Nous avons exprimé préoccupation nous gagné par rapport avec le phénomène insécurité. Hein. C'est quelques paroles qu'un conseiller présidentiel était confié nous.
Et côté Pali, M. Normil était formulé des demandes pour aller plus vite et puis pour le plus efficace dans la lutte contre la menée contre gangyo. C'est ça, conseiller lui rapporté. CPT lui sorti très optimiste dans la rencontre ça. C'était une rencontre de travail qui était très prometteuse. Toujours, alors c'est parole conseiller président qui confie Novelis entretien ça hier vendredi. Premier ministre Garry Conille dit vendredi 28 juin 2024 là, il a réalisé un compte avec Cour supérieure des comptes du contentieux administratif pour discuter de mécanismes de reddition des comptes. Échangé ont été portés sur lutte contre corruption, sur impunité, assainissement. Institution l'État, nous avons discuté sur un plan de renforcement de CSCC. Alors, CSCCA, nous mettons en avant des systèmes de contrôle rigoureux en collaboration avec la société civile. C'est ça, Premier ministre, qui fait connaître. J'en dis le changement qui continue à faire dans l'administration publique. Là, M. Lionel Constant Bourgoin, il remplace Alder Guillaume dans le paquet Port-au-Prince. M. Lionel Constant, il est nommé commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Selon le ministre de Justice, sous compte X-Li, Alder Guillaume est promu substitut commissaire près la cour d'appel de Port-au-Prince. Premier ministre Garry Conille était possédé hier vendredi 28 juin à l'installation du nouveau directeur de protection civile, Emmanuel Pierre. Cérémonie d'installation a été faite classée dans le local centre d'opération d'urgence pour M. Pierre l'y remplacer dans le poste. Jerry Chandler. Et comme Jeannot Sodeli, nous pourrons permettre tout le temps de deux entretiens. Il y a une interview que Guerline Joseph de Bridge Alliance Lité est accordé avec nous sous nouvelle prolongation TPS par l'administration Biden. Et après, il y a pour nous tendre entretien ça de réaliser avec l'ancien président et fiscaliste Jocelyn Privert qui était analysé avec nos décrets portant sur le nouveau code fiscal haïtien. Nous avons proposé un tout à l'heure. Nous retournons après présent, amis auditeurs, internautes, téléspectateurs, après rappeler que l'administration Biden a décidé ou elle a décidé de renouveler TPS pour Haïtiens pendant de nouveaux bénéficiaires. Ils permettent que de nouveaux bénéficiaires joignent accès avec TPS. C'est le secrétaire d'État à l'intérieur, Alejandro Mayorkas, qui fait annonce hier vendredi 28 juin. 2024, là, tout Haïtien qui est rentré dans le pays États-Unis jusqu'à 3 juin 2024 est capable de bénéficier de statut de protection temporaire, ça, selon Mayorkas. Décision ça, dit adoptée en raison de situation. En Haïti, hier, Guerline Joseph, directrice Haitian Bridge Alliance, dit plus de détails par rapport avec prolongation TPSA. Nous permettons tout entendre l'Iconia avant que nous retournions pour nous faire entendre l'entretien sanitaire avec l'ancien président fiscal de Jocelyne Privert qui était analysé avec nos décrets portant sur le nouveau code fiscal. Entendez Guerline Joseph. Madame Joseph, bonjour, nous sommes Magique 9, on parle à vous aujourd'hui. Et bonne nouvelle que annoncé dans Homeland Security, qui nouvelle liée? Bonjour Hans, bonjour tout le monde qui a côté, surtout le monde qui est en Haïti et le monde qui est dans la diaspora tout. Et annonce que le secrétaire Mayorka, c'est lui-même qui est en charge du département de Homeland Security, pas bon ici aux États-Unis, et c'est en bas juridiction par eux que causait immigration tombée. Alors, annonce que l'Ibaï Matéen, c'est qu'après un pile bataille que nous fait avec un pile démarche, et ils ont accepté demande que nous t'ai fait pour des baillots, pour être capables non seulement baillots extension, mais baillots redésignation pour Haïti pour causer TPS. Ça veut dire que le monde qui était déjà avec TPS, ils ont joué une extension, et si là, ils n'ont pas gagné. Nous étions entrés dans le pays États-Unis. De date 3 janvier ou bien avant, nous avons vu l'Égypte, nous sommes capables de participer pour appliquer pour jouer TPS, les que nous ouvrons l'application.
Alors, moi, je vais clarifier quelques bagages que annonce mon bail, mais application au colonie. Ok, ça veut dire qu'on a l'autre étape qui va passer bientôt. Exactement, exactement, France, pour que nous les rassurer que nous n'avons pas tombé en bas de ma bouillère, nous n'avons pas tombé en bas de mon cap-baï-menti, pour nous dire qu'on a fait toute bagaille qui est prêt pour nous capables d'application. Ça, à notre dit, c'est que tout le monde qui était entré dans le pays aux États-Unis, dans la date 3 juin qui se passe là, 3 juin 2024, nous venons éligibles pour être capables de participer dans le programme EPS là. Et ça inclut tout le monde qui entre dans la parole humanitaire, ça que nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, nous relais et le programme Biden. Là. Nous voulons encourager tout le monde, plus que 200 000 personnes qui sont rentrés dans le programme Biden, dans la parole humanitaire, là, pour nous appliquer pour EPS, pour être capables de jouer une deuxième couche de protection contre déportation et pour être capable de continuer à vivre dans le pays par bon ici, n'importe ça qui est trouvé après l'élection. Ça veut dire, même si on est entré avec le programme Biden, on est entré légalement, on peut appliquer pour TPS. Exactement. Également, nous vraiment encourager les gens qui sont venus, qui viennent sur le programme Biden, parce que nous avons été venus pour un programme pour Haïti, Venezuela et Nicaragua avec Cuba. Pour remplir l'application pour être capable de faire une deuxième couche de protection. Maintenant, qui est l'autre monde qui a appliqué pour TPS? Et pour qui, c'est tout le monde qui a déjà gagné depuis le président Obama et Bailey en 2010. Et tout le monde qui vient rentrer dans le pays, qui est rentré sur le visa, qui n'était pas bon ici, qui a expiré. Que nous sommes rentrés dans le CBPE, sur la frontière, et nous sommes passés par le Mexique, que nous sommes rentrés dans le programme Biden, nous sommes tous qualifiés pour nous capables de faire application et jouer protection en bas de pays. Et France, nous avons gardé le numéro de chiffre quand les Haïtiens qui viennent capables de participer. Nous avons plus que 2 millions d'Haïtiens qui sont rentrés. Ici, qui proposent une résidence, qui vivent dans des moyens et sans documents permanents, qui qualifient pour les plus de 2 millions de monde, 2 millions haïtiens, 2 millions de monde de nationalité haïtienne, qui pourraient participer et bénéficier dans le nouveau TPS-là. Ok, ok. Est-ce que ça va encore la côté maintenant pour le remplir papier TPS-là, les ouvertes applications? Oui. Pour le gouvernement américain, et je crois que le montant c'est toujours 495 $. Et nous sommes capables de faire une révision pour nous capables de clarifier pour nous. Le montant pour bonnier bail gouvernement américain pour application, il y a à peu près 495 $. Et ça va faire que tout le monde est en train de pas tomber dans la rue, pas tomber dans la rue, essayer de faire méchanceté, qui est capable de diminuer l'autre information. Et si on voit un avocat, il doit charger pour les remplir l'application. Donc, on a ces prêts que nous voulons faire le bail, mais pour le gouvernement américain, c'est à peu près 495 $ pour capable faire l'application et pour PPS, pour faire du travail. Alors, on monte quand même l'application pour compte lui, il est capable de passer par un avocat, mais est-ce qu'il y a une association, tout cas, des mounions en privé? Oui, France, et pour ne pas prouver tout ce qui est abu avec ça, c'est une problème anglais, et les capacités de suivre l'étape. Nous conseillons pour nous chercher un avocat qui crédible, avec une organisation qui crédible, qui est capable d'aider. Nous-mêmes, nous sommes dans l'Alliance, nous sommes capables d'aider, mais nous connaissons que nous n'avons pas un pile avocat en place pour aider, et plus de 700 000 personnes. Alors, c'est toujours des moyens possibles, puisque nous bataillons un pile pour nous jouer une victoire, pour nous capables de jouer un moyen pour nous trouver une union. Mais nous voulons faire tout le monde connaître que tant pour nous, nous avons contacté un avocat ou une organisation, rassurer que c'est un avocat ou une organisation qui est possible. Est-ce qu'il y a ici un besoin de passeport pour le remplir papier? Oui, et d'ailleurs, on a besoin d'identité. Alors, nous suivons tout le monde qui a pris les papiers en place pour être capable de remplir.
formalité que nous avons pour capable de joindre une protection. OK. Maintenant, après bataille ça, pour TPS, tu as redésigné pour te prolonger. Est-ce que qu'il y a une autre bataille communautaire à mener pour Haïtiens qui viennent illégal aux États-Unis? Oui. Une bataille pour des solutions permanentes. Mais nous connaissons une solution permanente, c'est le même progrès que la politique. Alors nous avons poussé pour être capable de soutenir des applications pour nous capables de jouer et une résidence permanente à Haïti, mais nous connaissons que ça crée très difficile. Et l'autre bagage que nous avons combattre et tout se poser des déportations, hein, nous avons poussé le gouvernement américain pour suspendre toutes les déportations sur Haïti. Soit mon petit en bateau, notre avion, ou bien notre façon qui est sur le terrain, nous avons demandé qu'ils n'ont pas déporté parce que la situation en Haïti n'est pas correcte. Et nous tout fait appel avec le gouvernement qui est en Haïti à tout pour ne pas accepter que l'Américain ou bien notre pays décide pour vous et avec ses retournés, pour ne pas accepter pour le moment ça parce que nous connaissons que. Nous pouvons gagner des structures en place pour pouvoir recevoir vous. Maintenant, mis à part mariage, quelle autre façon au monde qui est légal, au monde qui est TPS, quelle autre façon qui est légal, ou au monde qui est entré sur le programme Biden? C'est TPS qui bail pour toute communauté haïtienne et chaque monde a besoin d'un avocat parce que chaque cas est différent. Et quand par la France, il ne doit pas même avec Tiger ou Joseph, il ne doit pas même avec Camarie ou bien Jean, n'est-ce pas? Continue de côté très délicat à gagner une bonne solution. Alors, chaque cas qui pourra décider selon post cas, selon Jean que je présente des cas, c'est ça qui fait causer TPS par lui-même, c'est une qui couvre le pays, qui couvre tout Haïtien. Mais là, quand on parle de résidence ou bien de gens ajustement de statut, ça prend le monde maintenant pour lire un avocat pour avocat capable de constater ça par la personne. Maintenant, on monde qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui est entré sous visa ou bien qui a un visa étudiant, est-ce que le cas appliqué dans le TPS? Non, il n'a rentré aujourd'hui, on n'est pas qualifié malheureusement. C'est le monde qui fait déjà dans le pays aux États-Unis, dans la date. 3 juin 2024 ou bien avant. Alors, si vous êtes dans le pays, de 3 juin 2024 ou bien avant, il est éligible pour participer, mais on qui rentre 4 juin à nos jours, on sait malheureusement, il n'est pas qualifié. Mais si vous êtes là déjà aux États-Unis, il devine avec un visa, ou bien un visa étudiant, il est là avant, je vais aller appliquer pour TPS? Absolument. Depuis que nous sommes arrivés dans le pays, États-Unis, dans la date 3 juillet 2024, avant. Ok. Mais Mme Joseph, magique, nous remercions. C'est bien content de question. Une bonne question sur CBB1, pour gagner CBB1 sur le frontière. Comment nous allons avancer? Parce que bien plus haïtien qui attend longtemps, il y aura jamais de mission. Vous allez États-Unis. Bon retour. Bon retour. N'appelle là. Faut-il recommencer, s'il vous plaît? Faut-il recommencer? Nous avons des réponses. Ok. Vous posez une question? Oui, c'est bien, c'est parce que ça fait pas de temps. Ok, mais moi, mon feedback. Je ne sais pas si ça fait ça. Non, il est toujours. Bon, on s'est toujours fait. Non, mais il y a un feedback, il répond. Pour CBB, comment nous avons avancé? Parce que il y a un haïtien qui attend sous frontière Mexique là, mais il dit que l'application prend le temps pour autoriser. Qui ça nous est? Oui. Bon, pour causer CBP 1, CBP 1, qui vraiment les mêmes pour les gens qui sous frontière en Mexique qui a pété entrer aux États-Unis, c'est l'application que le gouvernement met sous pied, que nous-mêmes dans la région de l'Alliance, nous travaillons en pile pour que ça y ait réussite.
Et malheureusement, il prend temps pour qu'on y a. Et nous voulons faire tout le monde connaît pour qui ça que le printemps. Il prend temps parce qu'il y a un pile monde. Le pas dire un pile monde, il était plus rapide, mais plus monde qui a venu, plus temps il apprend. Pour qu'on y a, nous voyons que nous voyons un pile monde qui est plus que 6 mois depuis qu'il attend. Et nous voulons faire un appel assez clairement avec la communauté haïtienne. C'est que à partir de 4 juillet, le gouvernement américain te baille une nouvelle loi. Le président des États-Unis te baille une nouvelle loi. Si on entrait en dehors de CBPE, on essayait de passer en bas file ou bien tomber l'autre et raquette qui rentrait sans que c'est passé BPE, ils ont risqué déportation et ils ont risqué pas capable de légaliser pas bon ici aux États-Unis. Nous connaissons les bagailles difficiles, c'est la frontière là nous que nous avons travaillé avec l'Union, nous avons travaillé avec le Mexique, nous tous côtés n'a pas qui gens pour nous battre, pour nous faire bagailles aller mieux pour nous, mais nous demandons en prière, en grâce, tant pis. Malgré sa difficile, toujours continuer à faire application CBPE1 et puis prendre pour le barreau et date de rendez-vous pour capable rentrer. Nous connaissons les temps pour le moment, nous attendons de 6, 7, même 8 mois que nous n'avons pas appelé, mais tant pis qu'on est que c'est le seul moyen légal et seul moyen officiel que le gouvernement américain mettait sous pied pour nous être capables de rentrer aux États-Unis pour avoir accès à l'asile pour être capables de remplir l'asile. Et nous voulons clarifier tout que CBPE, ce n'est pas asile, c'est juste accès pour être capables de rentrer aux États-Unis. Là, nous finissons de rentrer aux États-Unis, nous gagnons entre jours de rentrée juste pour nous capables de remplir l'application pour nous conduire à l'île. Alors nous conseillons tout le monde depuis nous finir rentrer dans le CBPE pour nous commencer à chercher une organisation qui est crédible, qui peut aider nous au travail pour conduire à l'île. Madame Joseph, merci en pile, continuez le travail à faire et puis nous préparons une prochaine fois. Merci en pile, nous sommes vraiment fatigués mais nous continuons la bataille. Ok, Kambela. Voilà, vous avez écouté Galine Joseph qui tabaille de détails par rapport avec prolongation TPS par administration Biden.